Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien d'une aventure. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Vogel s'en fait déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Feu avec cette mitrailleuse! Parlez, Jensen! Continuez, pilote! C'est un de nos pilotes là-haut! C'est par terre que ça se passe! J'arrive depuis les tranchées! À la mitrailleuse! Achelez! On les a mis en fuite! Continuez! En avant, pour le roi et la patrie! On va renvoyer les Belges à Berlin! Sur cette pièce de campagne, bon Dieu! Bon travail! Ouvrons le chemin à nos gars! Rejoignez le reste des chars! Restez concentrés, soldats! En avant, bon Dieu! On approche du vide! Tirez sur tout ce qui remue!
guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. La guerre s'est étendue au monde entier. Vieux empires et nouveaux mondes, vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu pour la liberté, les traditions, l'orgueil national, le progrès, les valeurs éprouvées, la voie nouvelle. 100 grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge.